Donc là, je vais faire continuer. Paf. Parce que je peux pas faire nouveau jeu. Suspense. Tu as peut-être oublié ce tu as peut-être oublié comment on joue, en effet. Laisse-moi te rappeler les règles. C'est un jeu de cartes. Joue ton écureuil. Une hermine, deux loups, un écureuil, écureuil. Joue ton ton hermine maintenant. Ok. Paf. Ah ! Les hermines coûtent une goutte de sang, faut faire un sacrifice. Ok, et je joue mon hermine. Fais sonner la cloche pour mettre fin à ton tour et engager le combat. Ding ding ! Qu'une carte ne bloque ton hermine. Franchement, la DA est incroyable. Hein. Donc, le chiffre en bas à gauche, c'est la puissance d'attaque, 1. Et donc je tape. Ah ! Et je lui mets une petite, un petit poids dans la balance. Ton hermine m'a infligé un point de dégâts, je l'ai ajouté à la balance. Pour que tu gagnes, il faut que la balance penche totalement de mon côté. Comme ça. Ça va. Oh, la main! Oh, j'aime bien la DA. Il joue un coyote! Mon hermine bloque mon coyote. Donc lui, il a 2 de dégâts. Mon hermine, elle a 3 points de vie. Donc c'est bon. Voilà, j'ai plus qu'un point de vie. Ok, et quand je, et quand, quand il tape, ça ne fait pas de dégâts dans, à l'inverse. Pas comme dans Hearthstone. La santé de ton hermine diminue de 2 à l'aise. Quand la santé d'une créature atteint 0, elle meurt. C'est encore ton tour. Ok, je peux piocher une carte dans ton jeu ou piocher un écureuil. Ça, c'est un écureuil. J'ai une carte dans mon jeu. Je rends un écureuil. Solution de facilité. Ah bon? Bah, je t'emmerde. Je mets un écureuil. Parce que j'ai envie de faire un double sacrifice pour mettre un loup. Ça me paraît logique. Loup! Paf! Paf! Hein? Et... Oh! N'aie crainte, la créature est sacrifiée, mais elle reste dans ton deck. Elle m'a parlé? Sa souffrance est bel et bien réelle, mais tu la reverras! Oh, j'aime bien le concept que tes cartes que tu bannis aient mal. Parce que dans Yu-Gi-Oh, on s'en fout, on désingue des monstres, on veut, tu en voilà. Ok, j'ai mon loup. Mon loup, il est fort. Il est digne, pardon, digne. Oh, je tape. Ah oui, et du coup, ça doit être en face. Donc ici, je lui ai mis 3 poids, et son coyote ne bloque pas, son coyote ne me bloque pas. Je suis en train d'apprendre, il passe son tour. Ah non, mais il me tape, voilà. Bam! 3 points. Fini, là. T'es battu. Tu remportes la partie, oui. Ça ne sera pas toujours aussi facile. Oh oui. Oh, perdu au milieu de la forêt. Un seul chemin se découvre. C'est une forêt, donc. Je vais là, alors. Je peux rien prendre d'autre, non? Ok. C'est un jeu de plateau, en fait. J'aurais dû mettre en board game. Deux êtres de la forêt s'approchent timidement de toi. La vipère. Caustique. Les dégâts de sa morsure venimeuse sont mortels. Ok. Bien. Et... Le chat immortel. Sacrifier cette pauvre bête ne la tue pas. Je la sacrifie, mais elle revient. Seul un peut agrémenter ton misérable deck. Ah! Le chat, c'est bien, là, pour les sacrifices. Ouais. Et là, combat. Combat. Le jeu, il fait un peu peur. Escarpé, tu tombes dans une embuscade. Ok, moi, j'ai un rocher. Je peux me cacher derrière un rocher. Tu m'as sacrifié pendant que je dormais. Tu as fait le bon choix. Je comprends. Peut-être que tu pourras m'aider. What? Pour l'instant, on joue au jeu. Ouais. Tu peux maintenant voir mes coups en avance. Ah, ok. Donc lui, il va faire ça. Il va mettre un louveteau. Ça ne requiert aucun sacrifice, donc il va le poser là. Du coup, mon rocher va me protéger du louveteau. Ici, il a des souches d'armes qui, lui, le protègent. Ah, on est dans la forêt, quoi. Paf. Ok, là, j'ai mis mon chat. Maintenant, je peux sacrifier mon chat pour mettre l'hermine. Mais il meurt pas. Et l'hermine, je peux la mettre là. À nous de jouer! Oh, c'est Pikachu, c'est mon Pikachu! Oui! À nous de jouer! Est-ce que je la sacrifie pour mettre ça? Non, non, c'est bon. Ding. Ok. Oh, je me suis arraché une dent! On est dans Saw. Prends garde l'ambitieux, louveteau grandit vite. Quoi, il prend un à chaque fois? Et je prends une carte au hasard. De mon deck. Un loup.
Mais non, je vais péter un écureuil. Je vais mettre là. Ok. Maintenant, je vais prendre le loup. Je vais sacrifier lui et lui. Voilà. Paf. Le chat, en fait, comme je peux le sacrifier à chaque fois, c'est vraiment pas mal. Et je vais péter sa souche d'arbre d'un coup. Ça va être bien, ça. Vas-y, bim. Paf. Et je lui donne un coup. À l'aise. Ah, il va envoyer quelque chose. La chauve-souris. La chauve-souris survole les créatures et attaque directement l'adversaire avec 2 de dégâts. Au moins, je vais pouvoir la buter avec, avec mon Hermine direct. Ok, dans mon deck, j'ai que des trucs qui ont 2 points de vie. Qui valent 2. Ça, c'est chiant. Je vais attendre qu'il me pète mon rocher. Comme ça, je pourrais mettre un écureuil. Ça me permettra de mettre un loup. Et le loup, comme il fait 3 de dégâts, il pourra buter le louveteau d'un coup. Parce que là, c'est devenu un loup. Ah, ok, le louveteau est devenu un loup. Il grandira plus maintenant. C'est bon. Donc, la souche d'arbre, là, je vais la laisser. Le rocher, il va se péter. C'est pas grave. Je peux faire ça et ça va taper. Bam, bam, voilà. Oh là là, j'ai gagné. Non, j'ai pas gagné. Ok, je gagne au prochain, quoi. Donc ici, je lui mets un écureuil. Paf. Je prends le loup. Tac, tac. On est bon, là. Ding. Bam, 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 bam. Ah ouais, il a pris des trucs en plus. Tu as triomphé, tu avances sur un chemin qui est maintenant couvert de sang. Le sang de mes ennemis. Des cartes. Ok. Un louveteau, oui. Ça c'est bien parce que il coûte rien, il coûte un sacrifice. Et le doux moineau, créature volante à la puissance et au coût réduit. Comment? Ah oui, il vole, ça veut dire qu'il attaque au-dessus. Il a 2 points de vie et fait 1 de dégâts. Ça c'est bien pour dans la forêt, s'il y a des souches d'arbres et tout, je peux juste attaquer au-dessus de la souche d'arbre et lui il peut rien mettre dessus. Donc ce sera 1 dégât dans ses dents à chaque fois que je vais le prendre. Oh! Dans la nappe de brouillard, tu aperçois des pierres étranges. Oui, je vois. Il y a du sang, là. Hein. Tu es obligé de choisir une créature digne à sacrifier. Elle disparaîtra à jamais. Oh non. Ah, le moineau, hein, le chat, il est bien. Je l'aime bien. Paf. Bon. Ouais, et là Choisis-moi, il dit. Il dit, choisis-moi. Non, je vais mettre la tortue. Mais... Non, je vais garder l'hermine. La tortue, je l'utilise pas. Paf. Oh, elle devient volante. Merde, j'aurais dû prendre... Quel spectacle épouvantable. Mais l'âme de la carte moineau vit maintenant dans la carte tortue serpentine. Oh, c'est con, j'aurais dû le mettre sur l'hermine, hein, idiot. Non. Oh. Oh. Admire mon totem, il accorde l'emblème vol à mes cartes de type canidé. Ok, il y a des totems. Il est complètement fou. Tu le vois bien, non? Il se fiche des règles. C'en est navrant, vraiment. Ça suffit. Oh, l'hermine, elle est avec moi, elle est de mon côté. Vas-y, l'hermine. Que pour me voir souffrir, non. Qu'est-ce qu'il va envoyer? Un coyote, donc, qui vole, qui fait 2 de dégâts. Et la chauve-souris qui vole, ok. 2 de dégâts, 1 point de vie les 2. Donc il va falloir que je mette rapidement les trucs. Non, ça sert à rien de mettre un écureuil. Je peux pas piocher. Ah, il va me défracter. Je vais mettre ça ici. Je vais mettre l'hermine ici. Paf. De retour sur le plateau. Parce que lui il va me taper avec 2. Donc ça veut dire que mon hermine va survivre. Peut-être, ouais, il va m'attaquer. Hein. Il va me mettre 4 dégâts direct, quoi. Oh là 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 là. Un chat. Oh oui, le chat. Je vais faire ding, mais je vais me prendre 2 coups, hein. Je vais crever. Ah, j'ai perdu. Oh. Quoi? Oui, j'ai perdu. Tu as perdu. Salaud! Je ne peux que te conseiller d'apprendre de cette défaite pour atténuer ma déception. Lève-toi. Ouais, il est violent. Lève-toi de la table. Ok, pardon, monsieur. Va me chercher le chandelier qui est sur le tonneau près de la porte. La porte, elle est là. Et le chandelier, il est là. D'accord. W. On va prendre la dague. Je peux rien faire ici. Ok. Chandelier. Ramène-le ici, dit-il. Oui, ça va, monsieur. Hop. Hein? Il est où? Là. Oh, il fait peur. Ah, là. Maintenant, rassieds-toi. D'accord, monsieur.
Laisse-moi le temps de t'expliquer quelque chose. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Oh, les bougies. Il y en a une qui s'est éteinte. C'était l'une des deux erreurs que tu pouvais te permettre de commettre ici. Encore une et je devrais te sacrifier. Alors où en étions-nous? Ah ouais. Ok, c'est violent. Je peux prendre une nouvelle carte pour mon deck. Ok, on a le Grizzly. Monstre Grizzly, son apparence en dit assez sur son efficacité. 4 d'attaque, 6 de vie, mais 3 sacrifices. La Tortue Serpentine, j'en ai déjà une. Et la Vigilante Grenouille Taureau, qui bondit et se met en travers des créatures adverses. Ça, c'est bien, ça aussi. Et elle ne coûte qu'un. Je crois qu'il vaut mieux que je bloque ces créatures volantes. Non, enfin, ces créatures volantes. Attends, c'est quoi ce champignon, là? Je prends le Grizzly. Oh! Je croise la route d'un petit groupe d'âmes rescapées. Réunis autour du feu de camp, le groupe au visage émacié est affamé. Dévisageant tes créatures, le groupe te fait signe d'approcher. Ils veulent manger mes créatures. Une âme t'interpelle. Viens réchauffer une de tes créatures près du feu. Un autre rajoute, réchauffe-la près du feu, ça lui procurera un bonus de puissance. Tu remarques qu'une des âmes a l'eau à la bouche, évidemment. Ils vont me la manger, je veux pas. Un loup? J'ai envie de garder l'hermine jusqu'au bout. Ok. Le feu réchauffe la pauvre bête et lui octroie un bonus en puissance. Une silhouette approche de la bête. Une autre grince des dents. Sans dire mot, tu éloignes la créature du feu et quittes les lieux. Oh merde, elle a vraiment plus de puissance. Oh, j'aurais dû mettre mon hermine. Je veux que l'hermine soit au max. Et j'ai déjà raté 2 opportunités de l'améliorer. Okay. Donc là, on a un sapin majestueux donc qui empêche les créatures volantes. Il y a un grizzly, il peut le mettre direct. Il peut mettre direct un grizzly. Attends, c'est un délire. Ok, il me l'a bousillé. Ok. Je vais mettre un écureuil ici. Je vais mettre un chat ici. Ah merde, non, je dois sacrifier. Vrai. Ah, shit, j'aurais dû mettre un écureuil là. Et la tortue serpentine, je peux pas la mettre. Oh là là, je vais me prendre un coup à 4 et à 6 je meurs, c'est ça, hein. Quoi? Ah non, je croyais que j'étais déjà en bas, mais attends. Ça a méga diminué. Il est gueudin. Il y a une issue pour nous deux. Quelque part dans cette foutue cabane. Et toi ou je te réduis en bouillie. Oh non, j'aurais dû prendre un écureuil. Pourquoi j'ai pris? Je suis mort. Mort, je vais mourir. Je la mets sur le plateau, histoire de dire. Oui. Ah, il va prendre un coup. Il va mourir. Ici? T'es sûr? Je suis désolé, frère. Je vais placer un loup. Parce que là, ça va être pas mal. Pouvoir avancer. Paf, paf. Là, je vais donner des coups, là. Putain, ta gueule! Yes! Ouais, c'est bon, j'ai gagné. Ça fait plaisir. Ah, j'ai un loup ici. Et je m'en fous. Je peux faire ding, et ça a tapé. Voilà. Yes! Quoi? Ah, merde! Bon, écureuil ici. Loup. Paf, paf. Tac. Au moins, je vais donner un coup au grizzly et je vais gagner un tour parce que le loup va crever, mais c'est pas grave. Ok, ding. Ok, c'est bon. Ouf. Ah non, j'ai gagné, c'est bon. Yes. Et il dit rien là, il fait moins le malin, hein. Là, il y a un sac à dos. Il y a des objets dans les sacs à dos, il y aura peut-être un totem. Le corbeau, fléau des cieux, 2 dégâts en volant. Le Wapiti, il se déplace après chaque attaque. Oh, c'est bien, ça. Comme il a 4 de vie, c'est vraiment pas mal. Et le chat. Ah ouais, mais le chat, ça polluerait mon tableau si je mets un chat. Quoique si je le fais mourir, ouais, je sais pas. Parce qu'avoir que des cartes qui coûtent 2, c'est pas le plus malin non plus, hein.
Le Wapiti, il est bien. Ok, donc ici j'ai un rocher, et là j'ai l'écureuil de secours. Oh là là, couper une de ces cartes, oh c'est bien. Couper une carte, hein. Ah, la sacrifiée rapporte 3 gouttes de sang à condition que tu puisses supporter ses cris. Ouais, la chèvre, elle est bien. Écureuil, rocher, arrachage de dents, écureuil. Écureuil dans la main, c'est pas mal. Ok, je poursuis ma route. À combat de boss. De quoi s'agisse? Un brouillard glacial s'installe et les arbres semblent encerclés. Merde! Au loin, on entend le bruit répétitif d'un outil en métal sur la pierre. Ah non! Le forgeron, une silhouette claudiquante apparaît sur ton chemin. Ah! Oh, il met des masques! Yeeha! C'est le chercheur d'or! Non! Ouah, c'est stylé! Ok, je mets le rocher de base. Il fait encore le chercheur d'or. Facile. La mule est primordiale. Ok. Donc ici, lui, il a un coyote qui fait quand même 2 de dégâts. Et la mule chargée qui va pouvoir se déplacer à chaque fois, mais elle fait 0, mais elle a 5 PV. Donc c'est quand même assez balèze. Moi, je vais pouvoir placer mon écureuil. Je vais placer mon écureuil ici. Ah non, non, non. Ah oui, c'est bon, c'est pas grave, on s'en fout. Et l'hermine, paf, paf. Là, mais là. Comme ça, l'hermine va pouvoir... elle va prendre un coup, mais elle va se défendre. Ok, elle dit. Bah oui, bah désolé. Faut bien jouer, quoi. Ok, ding ding. Il a mis quoi en dessous? Il a mis quelque chose en dessous. Il a mis quelque chose en dessous, le salaud. Ding ding. Oh, le louveteau. Oh non! J'avais pas capté! Idiot! La vipère... La vipère, elle tue instant. Elle va pas tuer un rocher, quand même. Bon, écureuil. Je mets un écureuil ici. Donc, je mets une chèvre noire ici. Tout va bien. Donc, je fais le grizzly. Ici. Non. Et quand elle prend des coups, elle peut bouger, c'est ça? Non, je sais pas ce que ça veut dire, ça. Bon, je vais mettre ici. Tant pis. Ding ding. Lui, il est devenu un loup et la vipère, elle tue. Oh, il y a un loup là-bas aussi. Oh là là, je perds des dents en masse. Je vais mettre un écureuil. Il va crever dans tous les cas, l'écureuil. Je vais le mettre là, mais... Oh, ça va pas le faire, ça. Je vais crever de nouveau. J'ai pété la mule. Est-ce que je gagne? Oh oui! Sacré bon sang de bois, ma mule! Ah oui, j'ai perdu. J'ai perdu. Oh non! Ça me fait plus d'or pour moi. Ah! RIP! Ah merde, je suis vraiment mort. Il y avait écrit RIP. Ok. Oh! Tu n'es pas encore morte? Ah, je suis une femme. C'est pas le purgatoire. Même si ça y ressemble. Avant que tu t'en ailles, j'aimerais te demander une faveur. Je voudrais un souvenir de toi. Ok. Ta propre carte de mort, c'est moi. Elle est plutôt vide pour le moment. On va rectifier ça, toi et moi. Je veux que ce soit le meilleur souvenir qui puisse exister de toi. Voici quelques cartes de ton jeu médiocre. On peut les mettre à profit. Mon jeu médiocre, mais je t'emmerde. Choisis la carte dont tu veux extraire le coup. Celle-là. 2 gouttes de sang, c'est la même pour les deux, oui. Ok. Encore une, j'utiliserai sa puissance et sa santé. Ah. Celle-là. 4 de puissance et 6 de santé, oui. Choisis une carte sur laquelle... Les emblèmes. Oh, le fait de pouvoir bouger, c'est bien. Ouais. D'ailleurs, je ne t'ai jamais demandé comment tu t'appelais. Oh, moi je m'appelle Ted. Oui, c'est ça. Il ne reste plus qu'une petite formalité, le portrait.
T'es prête? Oui, vas-y. Pas besoin de sourire. À l'aise.